Bonjour, bonsoir tout le monde. Une fois encore, actualité a été plantée sous sa capacité dans le pays. Assassinat président Jovenel Moïse qui jusqu'à présent a kembe tout ça qui gagne à ouais dans détail pays d'Haïti. Déclaration a continué sorti tout dossier te caché et vous gagne à ouais à présence président. Mais cependant une autre fois encore Michel Matéli nous connecte choisi Jovenel Moïse qui peut vienne remplacer dans l'élection présidentielle qui t'est passé là. Ça t'a pral bail yon gros tournure ak en pile déclaration cap continuer sorti. Fois ça nous gen droit pas de jambe occuper déjà des déclarations ça yo ou encore détail qui t'est mené Jovenel Moïse sous pouvoir Michel Matéli yon l'autre fois lui-même bon côté parle t'est invité dans Haïti de Bagari Pierre Paul Charles t'est décrit toute situation sorti de A à Z qui vient ban nous Jovenel Moïse que yo assassiné dans une condition nous toutes connaît. Déclaration ça yo fort yo porter en pile avenir et qu'on ça tout rêve président Jovenel là détruit. Michel Matéli parlait sous ça et lui-même il fait connait tout ça te gagné dans la conjoncture politique là. L'elle t'a choisi président Jovenel Moïse comme monde qui te doit venir président et venir remplacer le palais national. Entre de yon après l'autre, Michel Joseph Matéli, ancien président d'Haïti, avec maître André Michel, représentant secteur démocratique là, qui était encore une fois fustigé cadavre chef l'État. Mon cher, moi rencontré Jovenel, peut-être, c'est Jovenel qui a une date bien, parce que Jovenel tape machin en projet dans le monsieur a une date bien. Depuis sous combien président l'a cherché, fait projet. Ben. De toute façon, le rencontré monsieur moi projet, hein, projet a retenu attention. Il a retenu attention et puis nous reparlons encore, nous reparler, et puis nous dit ça c'est le modèle que nous avons cherché pour Haïti. Ce candidat, avec une bonne campagne, un bon programme, peut gagner à tous les coups. Non, c'est pas la tête, tout. À tête, même à pas. Ça, monsieur, vous reconnaissez que tu dis ça, monsieur. Non, mais monsieur, vous reconnaissez tout. Non, moi, c'est l'homme presque fin de suivi que me fait calculer là. Parce que l'homme choisi, et c'est sous élan ça, mais c'est l'homme choisi, c'est bon Dieu. Ah. Ou qu'à pas croire, je vais l'expliquer au qui j'aime tout, c'est bon Dieu. Ah. Voilà, oui, parce que ça, c'est la petite histoire. Ah, scoop! Scoop. Voilà, la petite histoire. Mon cher, nous avons deux candidats. Scoop. Nous avons deux candidats au Sénat dans le Nord-Est. Et nous avons dit que deux candidats, c'était Jacques Cajot avec l'ancien sénateur Boulos. Deux candidats. Donc c'est fait. Nous avons deux candidats. Et bonjour, m'a réfléchi. Je dis, monsieur, gros, ce projet ça, que tu n'as que les Jovenel la gagne en Nord-Est là. J'aime un pays à fragile, si monsieur pas dans la politique, même projet ça va survivre. Et projet ça est important à moi. Je dis, je vais faire une réunion avec le sénateur Boulos, le sénateur Jacquito, pas sénateur, les candidats. Oui, les candidats. Oui. Et avec l'homme d'affaires. Jovenel Moïse, pour moi, si vous n'avez deux nexa yo, n'avez deux candidats yo, t'as râlé quoi yo? Pour le bail Jovenel candidat. Pour le bail Jovenel candidat. Au Sénat. Donc, nous faisons une réunion à toi. Non, à yo trois plus, mais même fait. Oui, fait quatre. Pas y'a personne là. T'es quoi l'autre qui dit là? Non. Et moi? Non. Je me devine qu'on est qui ça va passer. Oui. Je me devine qu'on est ça va passer. On avance. Non, peut-être une lade yo dit ou bon, t'es qu'on micro, mais yo. Et nous quatre. On avance. Mon cher, me dit Jacquito, mon problème, on est frère mouillé, n'a pas toujours qu'à supporter l'autre. Nous t'en aimé que vous évaluez la possibilité pour nous aussi, nous cabayons, je venais là, les fois ça. Parce que l'autre dimension, ça, monsieur, a fait dans le Nord-Est, là. Faut que monsieur ait l'attitude pour le protéger. Faut qu'on force quelqu'un pour le protéger. Quantité de projet, ça, là. Quand j'arrive de son artiste. Oui. Frère Pam. J'arrive de dire, je ne vais pas entendre ça.
Ben, si je passe à deux fois ça, là, quand je prends ma parole, là, je tout fous ma bouille sous contrôle. Là, quand je là. C'est bon. Scoop, scoop. J'ai quitté me défini choisi ou. Ou pas bien dire ça deux fois. On va marcher sur Boulos. Non. Je vais dire Boulos. Hein. Parce que. Je suis prêt à Jacquito. Si Jacquito dit ça, je suis pas le même. Même réaction à Boulos. Bien habitué à Jacquito, quoique Boulos révèle nous gentlemen, dans l'affaire PHTK avec nous. Mais Jacquito dit ça, regardez Boulos, regardez Woody, si Boulos, regardez Jacquito, et puis regardez Jovenel. Et puis je connais Jovenel lui-même, c'est pour ça qu'il vient tout, nous allons regarder ça nous a fait. Donc je ne sais pas si je me pose, je me dis bon Jovenel, pas de problème. On quitte ça. Pendant que je me suis dans les yeux, et puis je me dis que je suis un bagaille. Sans battre bouche. Comme si bouche me bat, les sans. Il va sortir. Il va sortir dans moi. Non, il va sortir dans moi, il sortit. Même pour que je me suis balade, je me dis que je n'ai pas un problème. Mais qu'il ne va pas le faire connaître, c'est que pendant que je me dis que ça m'a dit là, et puis je me sens une palpitation, je me sens un tremblement. Je me dis que je n'ai pas un problème, je fais l'autre bagaille. Je prends l'autre bagaille. Je me regarde dans les yeux. J'en ai eu d'abgadim là, ok? Et pendant que je me suis senti comme si on baille, comme si qui passait sous moi. Énergie. Oui, énergie qui traversait. Monsieur, gars, ou même. Ou même gars. Oui, regardez, ma confine même bout de gars, ça ouais. On va changer ça. Mon cher, et puis, dis monsieur. Dis monsieur, n'a pas fait l'autre bagaille. Mais pendant que je dis monsieur ça, et puis je me sens énergie, hein. Et puis mal chercher comprendre ça voulait dire ça me sentir mal chercher comprendre ça voulait dire ok bah il faut que tu ne comprennes pas là et puis me sentir que c'est l'âme blâle senti même pour dire monsieur hein, ça arrête là scoop. Ça arrête là scoop. Scoop. Et puis nous continuons de discuter toujours à nos quatre et puis 15 minutes pour commencer. Alors 15 minutes qui passaient à forme de queue tête, mais qu'on est en boulacha. Je suis arrivé. Oh. Bon? Voyage. Ok. Et puis je me suis journal. Je me suis dit, deux messieurs au Chita là et mal dans l'autre coin bureau avec eux. Des bureaux maintenant même. Et puis je me suis dit, même monsieur, je me dis, monsieur, bah, c'est là, difficile. Je me dis, monsieur, nous allons avancer. Je vais le faire comme candidat à la présidence. Et puis, côté je vais le saisir, je me dis monsieur ça. Je vais le saisir, monsieur, je me dis monsieur, je me suis dit ok. Et puis monsieur viré, monsieur pas saisi, monsieur pas excité, monsieur a des monsieur me fou. Même j'ai l'impression monsieur plus pensé. Tu as l'impression, attention. Impression, monsieur, puisse penser que je ne vais pas l'avouer. Je vais passer le petit. Je vais passer le petit. Je vais sortir de la réunion. Scoop. Je vais monsieur, passer ça. Scoop. Et moi-même. Ballon parole. Et moi-même, attention. Je ne vais pas ballon parole parce que je me sens. Et plus je m'étudie la rave, plus moi, j'ai allié. Mais tout. Comme je me sens que je me fais une décision. Un peu à la hâte. Sur le coup. Je suis toujours connu des têtes, mais comme j'ai un droit de réserve, n'importe qui le joue, là, dans le cabinet, je me dis, monsieur, vous connaissez. Je vais te tromper. Même pas, non. On prépare quoi, nous, peut-être, pour l'autre. Il faut y être. Oui, ça a été dans des têtes. Mais attention, hein, et dans les premiers jours seulement. Hein, dans les premiers jours seulement. Parce qu'une fois que je finis, après deux ou trois jours, je commence à garder des bagages là. Et puis je me dis, monsieur, je me dis, mon seul va faire pour moi. Pas dit un grain de monde sans nous là. Et puis un mois passé, je me suis dit que ça n'a aucun côté. Je me suis dit personne ça. Même Grégory m'a appelé à côté. Personne ne m'a appelé. Je ne vais aller personne. Mais pendant un mois, je regardais tout le revers médaille là. Et puis chaque fois, je regardais les jeunes, c'est l'homme idéal. Parce que nous, notre société était complexe. Tout. Jean monsieur était organisé opposition. Ou te prenons
excusez-moi, petit boulot, c'est haïtien, et puis ou bien, et puis vous avez dit, ou pour un blanc, bah, oui. Ou. Pour une classe à couleur. Voilà. Donc, on dit, moi, monsieur Gagné, zouti ça. Dans les deux ministres dans le cabinet qui là, qui dit qu'il y a un rêve, Jovenel Moïse, il a mis en application, il a continué de travailler, comme si de rien n'était. Et, madame Pierre-Paul, écoutez, deux choses. Il n'y a pas de bon rêve, Jovenel Moïse, dans le pays. Lumière 24 sur 24, référendum. Non, nous disons déjà. Jovenel Moïse, c'est le plus mauvais président Haïti passé. Bilan, son catastrophe, il crase le pays, il détruit toute institution dans le pays. C'est corruption, c'est vol, c'est assassinat, c'est craser toute institution, et ça, il l'a fait. Et ça, il l'a fait pendant tout le temps de passer sous pouvoir. Et puis, il n'a rien à voir avec la démocratie, parce que mandat fini 7 février 2021, quelqu'un de pouvoir par la force, ils font coup d'État. Pas un rêve, Jovenel. D'accord? Maintenant, nous-mêmes, nous disons, et c'est pour une révolution qui fait, mais attention, population a des revendications, secteur démocratique là a veillé pour revendications, ça y est, satisfait. Nous voilà qui te PHTK, Vin, Piafé, dans Figuinon là, comme si Mdado, etc., et reste pays n'a pas existé. Et attention, jusqu'à présent, population a beaucoup rentré dans la bataille là. Jusqu'à présent. Bon, population libre, population épuisée tout, mais m'pa ouais ou parler de tout décret liberticide. M'pa ouais ou parler de annulation ni élection tête chat ni référendum fomamit. Non. M'pa ou parler tout de tout décharge di bayo et m'pa ou parler de qui j'aime pas démanteler gang yo. Attendez. Et ça, c'est dans feuille de route transition pour nous mettre. Tout décret Jovenel Moïse prend en absence de parlement, tout décret ça est annulé automatiquement. Tout décret ça est annulé automatiquement. Toutes mesures qui te prend pour te baïonner la cour des comptes, tout bagage ça est crasé automatiquement. Tout désordre qui te fait, décision que te prend pour évoquer juge dans cour de cassation, madame Koch, M. Jean-Louis, Yves Kelda Brésil, tout bagage ça est tombé automatiquement. Et prisonniers politiques. Les prisonniers politiques, ils doivent libérer le plus vite possible. Arnel Bélizer. Ce sont des prisonniers politiques. Arnel Bélizer, Abelson Gouneg. Arnel Bélizer, Kélé, Babas, Abelson Gouneg. Tout le monde a persécuté automatiquement. Et tout élément, ça doit faire partie de sa mêlée en accord politique global. Et j'aime dire déjà, nous ne pouvons pas quitter les revendications du peuple là derrière. D'autant plus que nous n'avons aucun monde, nous besoin de mettre président. À tout prix, nous n'avons aucun monde de besoin de mettre premier ministre à tout. Mais et question élection? C'est élection référendum. C'est discussion qui pour élection référendum. Bon, référendum, non, c'est tombé. On ne va pas parler d'élection référendum, parce que moi, dans le référendum, ça a toujours bah, ça a tombé depuis. Et ce jour, seulement que tu as dans la tête, et bah, attention, nous d'accord, nous pas qu'à faire une transition 20 ans, 10 ans, 5 ans. C'est pour gagner évaluation qui pour faire de situation électorale, de système électoral. Combien de monde qui gagne 4, combien de monde qui pas gagne 4? Est-ce que 4 qui n'a même pas son 4 électoral qui est fiable? Faut qu'on évaluation de situation sécuritaire pays. Faut qu'on évaluation de environnement global. Là. Comment pour nous monter un conseil électoral crédible avec des hommes et des femmes qui sont capables de rassurer le monde? Et puis, lorsque le moment arrive, il y a un monde qui fait évaluation. Mais qui est pour nous aller dans le processus électoral? Mais de toute façon, enfin, on va comité t'a écrit. Mais pas un monde tout. Comité t'a fait constitution Jovenel Moïse là. Bah, ça a crasé longtemps, bah, ça va exister encore. Ou même celle qui a parlé de Baïsa dans la radio. Bah, ah, moi, celle qui a parlé de eux? Nous ne parlons pas de Baïsa. Ah, moi, celle qui a parlé de eux? Ok. Ou il parle qui parle de ça encore. On parle de référendum. Mais ou même qui parle de ça. Comité qui a écrit constitution. Parce que vous parlez de ou j'aime pas de vous encore. C'est fini. C'était la folie, la folie de Jovenel Moïse, c'est fini. Bah, ils n'ont pas existé encore. Maintenant, élection, il faut une évaluation qui est faite. Et puis pour nous dire qui moment pour élection en fait. Parce que de toute façon, il faut le retour à l'ordre démocratique. Mais c'est pour une élection qui va le faire dans fin d'année ça. C'est pour une élection qui va le faire avec les chefs de gang. Il faut désarmer les voyous. Il faut sécuriser. Les quartiers populaires, il faut sécuriser le pays. Fon compte carte électorale, ça y est, est-ce que c'est bon? Est-ce que le système n'a pas de guet et compromis? Ok. Bref, il faut une évaluation. Donc, j'en parle à la, faut que nous jouons nos gens pour nous interlocuteurs par rapport à l'international, là, particulièrement aux États-Unis. Ah, bien sûr. Et c'est un facteur qui est important. Dans le monde qui nous peut pas choisir pour nous mettre dans le gouvernement, ça qui doit être là, par consensus, c'est des mondes qui gagnent caractère, mondes qui prennent
monter dans le conseil électoral, c'est des gens qui ont une capacité, ok, pour évaluation de la situation électorale, et puis pour dire blanc, écoutez, voilà la situation. Un, quatre démalogues, ça n'a pas bon, faut nous faire l'autre. Deux, majorité de monde n'a pas de carte électorale. Trois, pas de situation de sécurité dans le pays, pas de élection dans la fin d'année.